Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau let's play sur The Evil Within 2 qui sera en parallèle de Shadow of War. D'autres let's play qui arriveront un peu plus tard, mais vous verrez bien. Donc on va commencer une nouvelle partie. J'avais fait quelques réglages d'incidents au niveau du son. Donc là je vais pas parler très très fort pour le moment. Là je pense qu'on va passer sur pas d'aide à la vie. Maison ravagée par les flammes, mort d'une fille à tête sale. C'est pas possible. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Ok, oui. Mon Dieu, Lily. Bordel. Quelques petits lèvres ultra. Oh, je stream en même temps. Où es-tu? Oh non, elle est là-haut. Attendez, je reviens. Me revoici. Ça pourrait être un peu mieux. Streamer et faire une vidéo en même temps, c'est assez chaud sur ce jeu. Ah, du moins sur sa vitesse. Comment une telle chose a pu arriver? Ah, ça. Lily, apparemment, c'est sa fille. Par rapport à un, il est pas trop, donc c'est loin dans le passé, à mon avis. J'arrive, Lily! Tiens bon! Allons-y, Lily! Lily! Mais je suis là, Lily! Je suis là! Là, je vais passer un peu dans l'ambiance de cette première vidéo. On verra comment ça va se passer pour les prochaines. Lily! Viens, ma chérie! Lily! Où es-tu? Je suis là! Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Kidman. Bonjour, Sébastien. Ça fait longtemps. 3 ans. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille? C'est ça? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. Je suis là à cause de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Lily est toujours en vie. Quoi?
Lily est morte! J'ai lu le rapport d'enquête! On l'a enterrée! On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Enlève tes sales pattes. J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Sébastien, vous êtes réveillé. Bien. Ouais, c'est ça, bien. Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Quoi la question? Au moins vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Tellement. Où est Lily? Patience. Toutes les réponses sont juste là. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contretemps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous.
Vous êtes prêts ? Soyez prudent, Sébastien. On compte sur vous. Entrez dans le stand dans 3, 2, 1. Ok, c'est parti. On va pas tarder à récupérer la main. Voilà, c'est... Est-ce que c'est... Où est-ce que je suis? La maison. Papa, au secours! J'arrive, Lily! Papa! Mira, je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. C'est quoi cet endroit ? Inspecteur, on a un appel. Beacon. L'endroit du... Bureau, d'accord. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Allô? Sébastien, vous êtes là? Kidman? Qu'est-ce qui... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein? Alors où est ma famille? On dirait mon ancien bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel? Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union? Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça? Si quelqu'un en est capable. Bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un œil. Hoffman. Psychologie et surveillance. Celle-là, je ferais bien de m'en méfier.
votre équipe. Et maintenant, moi. Nous sommes tous prisonniers du STEM. Je comprends pas pourquoi vous pouvez pas simplement les sortir de leur caisson et les réveiller. Ça ne marche pas comme ça. Sans noyau, il nous est impossible de rentrer dans le système. Si on retirait de force quelqu'un du STEM à ce moment, ça les tuerait. Et leur conscience se retrouverait piégée ici. Magnifique. Mobius a vraiment des plans de secours bien huilés. Je vous en prie, épargnez-moi vos sarcasmes. Vous devez trouver Lily. Sinon, elle mourra. Comme vous, et comme tous ceux qui sont à l'intérieur du STEM. Baker, chef d'équipe. Je vais essayer de le trouver en premier. Oh. Harrison, spécialiste du combat. Il devrait pouvoir se débrouiller seul. O'Neill, il devait pas s'attendre à des problèmes pour envoyer autant de techniciens. Sykes, un technicien. Mais au moins, il sait se servir d'arme de poing. Ok. C'est Lily qui a fait ce dessin de moi. Il a brûlé avec tout le reste de la maison. Ma première distinction. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. C'est un peu vrai, d'une certaine manière. Ok, très bien. Un chat. Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. Cette fois, ce moment-là. Je pensais pas avoir des chats, mais... Un projecteur. D'où sort ce souvenir? De mon école primaire. Yep. D'accord. Donc il y en a 11 apparemment. Chapitre peut-être. Kidman, vous êtes là? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traitées comme un fardeau, au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez? Peut-être. Au moins, vous aviez des gens qui se souciaient de vous. Pas faux. Ok. Hop, attends, je fais une petite ellipse. Me revoici, désolé pour ça, hop. S'il le fait. Petit chat. Merci, le chat. Un miroir. Comme un beacon. Ça doit être la sortie. Je pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. Terminal. Voilà. Donc on est au chapitre 2. C'est parti. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. Chapitre 2, quelque chose cloche. Sébastien pénètre dans le STEM, qui demande lui conseil de trouver les membres de l'équipe. Ah, pas de temps. Lily, qu'est-ce qui va pas? La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer.
Sébastien? Ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas? Viens là, Mira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose? Allô, monsieur. C'est le bon endroit. Qu'est-ce que tu veux ça? Ah oui. Pas ouvert non plus. Ouh, les draps. Il y a des passages secrets. William Baker. Et... Du fermeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. Chef d'équipe. Une balle pile entre les deux yeux. Le crâne qui se fait de l'autre côté. Ça sent bien. Quel est pour faire ça, quoi. Les petits yeux. Hein? Quand c'est par là, c'est la même chose. Un sadique, celui qui a fait ça a bien pris son pied. Comme si ça lag, alors pas du tout. Un peu laggy, non?
Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Ou l'entrée. Allez, on pousse. Il fait froid. Non, c'est juste qu'il a mal à la main. C'est fermé. Pas taper encore. Ah non, pas les... Manuela Roberto. Enfin, Roberto. C'est Robert ou... Roberto. Ok... La seule est qu'une fois, hein, donc il ne peut y avoir personne normalement. Il y a quelqu'un. Putain. C'est qui? Très bonne question, cher Watson. Saloperie. Quelque chose en haut ou pas? Siège. Oh, c'est tape, ça. On va voir en dessous. Flipper celle-là. Extravagante. Invitation, chercheur. Et ben, c'est la partie de notre activité spirituelle. Nous avons envie de faire passer au niveau de connaissance. Veuillez vous prendre son but. Le passé de candidat. D'accord, ok. Place pour la prochaine cérémonie. Purification. Je vais faire tout le mensonge, rien que des mensonges. D'accord, très bien. C'est en haut qu'il faut aller au vide. Je le sens pas. C'était quoi ça? Merde.
c'était qui? Comme l'agent de Mobius. Qu'est-ce qui se passe dans ce système, bordel? Arrête de sauter. Un peu retourne là-bas. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. C'est pas faux. Un pendule. Des fusils décrochés, c'est la même salle que tout à l'heure. Il est un peu plus avancé dans le temps, je dirais. J'ai oublié d'aller mettre. Ouais mais non. D'accord. Je peux monter. D'accord. Je peux monter donc. On ira après. Nouveau dossier. Et un autre, apparemment, pas le même que celui-là. De l'autre côté, il n'y a vraiment rien. Bon, par l'œil. Alors, il n'y a rien. Bon, on va monter. Hein. On va monter. Ça va avoir un passage ici quand même. Hein. Encore pas. Je peux pas. C'est obligatoire. Qu'est-ce qui me prend aussi sur un jeu d'horreur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Bordel. Ok. Ah.
peut pas ouvrir. On n'a pas le choix. On doit y aller. Je comprends que celle-là. Ah ouais, non, non, pas les parler, pas parler. J'ai peur. Un appareil photo. Quoi correspond cette taille? La photo qui a été prise d'abord. C'est quoi ce bordel? Salope, coucou, coucou. Merde, j'ai pris au piège. Non, pas vraiment. T'es coincé. Allez, la tête. Putain, c'est quoi cette horreur? Non, pas. C'est le Nemesis du 1, hein. Combien pire. Et tu ris. Tu vas pas l'entendre pour le moment, mais t'inquiète que tu vas l'entendre. C'est pas vrai. Yeah.
Donc, un deuxième rugic, le mec. On va faire un couteau. D'accord. Donc. Et c'est quoi cet endroit? Personne qui se lave. C'est vraiment médical, on ne connaît pas la ruine. La substance contient des seringues de voyage, mais elle rend modérément la santé. Journal de maison abandonnée. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voilà ce que j'arrive. Qui a écrit. Je viens de recevoir l'appel maintenant. Pourquoi il y a toutes ces bizarres ces derniers jours? C'est le pire scénario qui soit. Et au moins, plus besoin de faire ça. Les choses que j'ai vues ont changé. Trop tard pour les sauver. Il tente de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leurs âmes et de la mienne. Ciel, ouais, peau, ouais. Inventer un couteau de choc. Car, corps. On regarde un tout petit peu si je n'ai rien loupé. Non, ça devrait être. Ça lag un petit peu, quand même. T'étais où quand j'avais besoin de toi? C'est peut-être le bon endroit. Lily, j'espère que tu es là. Je me suis embarqué. Ah, hop, j'ai l'impression que c'est un peu. Art synchro vertical. Hop là. Kidman? Sébastien, où étiez-vous? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah. Fais chier, c'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. Ok, hop. Bienvenue à Ignol, le succès. Coup de canon. Alors,
Ah, fichier là. J'ai l'impression ouais, qu'il est là quand même. Qu'on baisse quelque chose. Bon. C'est... Ça a l'air d'être un peu mieux, mais... Vous inquiétez pas, Sébastien. Ça l'aggrave un petit peu en extérieur. Petite en fait. Ville tranquille. Je vais pas un petit peu ce que j'ai. Un peu trop tranquille. Comme tous les jeux récemment, pratiquement. Hey oh hey. Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux. Pardon. Je vois pas. Vertical. Activer ça. Pardon. D'aller voir. Alors, dans cette maison, qu'y a-t-il ? Y a quelqu'un ? Ah, y a quelqu'un. Finis ton assiette. Dois manger. La peau sur les os. J'ai dit... Mange! Et voilà. Ne pleure pas. Je fais tout ça pour ton bien. Et hop. Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Le petit tabac. Si elle est morte, je vais voir en haut.
la poudre. Et c'est tout. Okay. Hop, on peut se casser. C'est pas trop cool. Tu peux enfin te payer. Est-ce que toutes les pièces fonctionnent? Je sais pas si c'est la même. Pas. Monter ou pas? Non. Bien sûr, ce serait trop simple sinon. Ok, on peut tuer donc les petits corpos. Oh, ça tire. Quoi encore? Pas faire grand chose pour le moment. Ouais, donc il y aura des petits lèvres pour le moment dans la zone. Alors c'est bon. Non, il paraît. D'accord. Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. Tremble. Merde. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Ok. Plante ici. Une bouteille. C'est plutôt différent, c'est bien. Alors t'as les bruits volaires? Tu vas voir pas comme ça.
nouvelle bouteille. Ça descend en FPS, petit à petit. Je sais pas pourquoi ça lag ici. Oh. C'est bizarre. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez ? Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'est juste un agent de sécurité du Nyon. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez ! Ou je tire ! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque. Alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille, pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Quelle est ma souris ? Tu perds ma souris ? Ah oui, quelque chose de puissant. Ces choses sont plutôt robustes.
Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu ? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Vous êtes rien dans le coin ? Ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon, je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas, je m'en fous. À propos de votre équipe. Vous étiez 5 dans votre équipe. Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui, on est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et qu'une autre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais, sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. La mission. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Ok. Faudra raisonner. Rien de tenir. Hop. Cafetière. Ok. Moyen sympa de reculer la vie, tiens. Ça détend. L'établi. Le pistolet, d'accord. Ok, ça cache ces trois plans. Sur l'arme. Ok, très bien. C'est quoi ça ? D'accord. Bien, nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo sur The Evil Within 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur toute la chaîne. C'était Dustin. Passez une bonne journée.